Dans notre première émission consacrée à Ban Vacancies qui est à Quality Beverages, qui trouve à Belle Rose, nous pouvons aller à la rencontre de son Manufacturing Operations Manager et aussi témoignage de employés de la compagnie. Cédric Baladine, ou le Manufacturing Operations Manager ici à Quality Beverages Limited, et où tu as fait une brève historique de la compagnie pour nous bannir les spectateurs. La compagnie est établie en 1955 sous le nom de Quality Beverages Limited. Et ça fait l'année prochaine, ça peut faire 75 ans que la compagnie existait et établie par la famille Karimji et le Maurice. Et au cas où, au début des opérations, comment travaillait-tu, qui m'a produit ce type de faire tout ça? Au début, moi estimé, parce que j'ai un grand-parent, moi, mon nom joint 1994, c'est environ 200-300 personnes au début. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons 800 personnes. Et qui sont différents produits qui sont amenés dans sa compagnie-là? Oui. Auparavant, nous avons Pepsi, 7-Up, Mirinda et un produit qui s'appelle Limca, Canada Dry. OK, c'est un produit-là. Et aujourd'hui, nous avons diversifié. Nous avons une panoplie de plus de cinquantaine de produits, comme les Sparky, nouvelle génération. Nous avons Fiesta, Sparky, Fiesta, Pepsi, Mirinda, 7-Up, et une gamme de Mirinda, pomme, orange, vanille, framboise, différents produits. Et qu'en est-il de Pepsi Food? Et Pepsi Food, à partir de 2010, nous avons le Pepsi Food. Et nous vendons des produits comme Alès, Bocombo, Quaker Oat, etc. Manu, où est-ce que tu as demandé des spectateurs depuis quand tu travailles ici? Depuis quand? En 2013, nous rentrons, ça fait 11 ans que je suis là. Et dis-nous où le travail consiste à quoi exactement? Moi, je suis opérateur de Bella, étiquette de vente bouteille. Et je vais assurer qu'il y ait tout bouteille et une étiquette. Parce qu'il s'aime, cette étiquette-là, lui dire qui va l'ingrédient qu'il a adopté. D'accord. Ouais. Et dis-nous, l'environnement de travail, comment il était ici à Quality Beverages Limited? L'environnement est extra correct, tout motivé, nous travaillons ensemble. Malgré qu'il y a des hauts débats, mais c'est moi, nous restons aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que vous pensez de l'avenir de ce secteur-là? Oui. Moi-même, depuis, moi, je dis, 11 ans qu'il me l'a, moi, je fais extra progrès dans mon avis, et je reste vraiment un petit casse. Et je peux encourager ma chaîne. Venez à nous, dans le Pepsi Cola, vous vous trouvez. Si vous causez overtime, un bel grand, bel overtime. Oui. Je vous récite tout, je vous un rêve, disons. Yannick, tu es un gentleman de spectateur, ton parcours professionnel au sein de Quality Beverages Limited. Ben, tout d'abord, bonjour. Ça fait 15 ans que je suis dans la compagnie QBL. Je suis rentré ici en 2009 comme helper, mais au fil des années, je progressé, je fais supervisor, manager, ma confiance, je me confirme à la tâche d'opérateur, mais maintenant je fais opérateur label. Et c'est quoi exactement, hein? Dis-moi, c'est quoi opérateur labeling? Labeling, c'est mon étiquette ou mon bouteille, vous assurer qu'il tout dans nos sur mon ingrédients, etc. Et dis-nous, l'environnement de travail est, ici à Pepsi, comment il était? L'environnement est correct. Il y en a des hauts, il y en a des bas, mais correct. Et tu peux conseiller une zone qui fait route de travail, ou ça qui fait de travail, intégrer Quality Beverages Limited? Oui. Moi, je fais que Pédiaou, mais je fais 15 ans, mais moi, je me trouve ici dans l'avenir ici. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation et la MBC.